Au XVIIIe siècle, les Français sont partout chez eux en Europe, même à Saint-Pétersbourg. Quand Pierre le Grand veut ériger un Versailles russe, il fait dessiner les plans de sa ville idéale par un architecte français. Devenue tsarine en 1762, Catherine II poursuit d'une main de fer l'œuvre modernisatrice de Pierre. Pour flatter son portrait de despote éclairé, elle a besoin du roi français de la République des Lettres, Voltaire. Depuis son palais d'hiver, aujourd'hui musée de l'Ermitage, la puissante tsarine courtise par écrit le prince français de l'esprit. Monsieur, en lisant votre encyclopédie, je répétais ce que j'ai dit mille fois, qu'avant vous, personne n'écrivit comme vous, et qu'il est très douteux si après vous, quelqu'un vous égalera. Quand on vous a lu, l'on voudrait vous relire, et l'on est dégoûté des autres lectures. Écrivain et historien, Marc Fumaroli nous invite au voyage sur les traces de cette Europe des Lumières, qui parlait, pensait, aimait, écrivait en français. C'était alors un simple sujet du puissant roi de France qui incarnait la langue et l'esprit français, Voltaire. Un homme de lettres sans pouvoir, mais l'esprit le plus libre et le plus caustique de son temps.